Bon. J'espère qu'on entend bien. Comment ça va par ici? Moi ça va. J'allais dire dans mon petit studio, mais non, c'est ma chambre, hein, clairement. Mais ça fait longtemps quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas mis en place les parapluies, la cam, le micro. Voilà, ça fait plaisir. Un peu de retour dans les studios. Ah, en plus là on est en juillet, on est le 1er juillet. Je sais pas si pour vous, quand on passe le mois de juillet, on se sent vraiment en vacances. C'est là, c'est vraiment juillet, août. Voilà, on est dedans quoi. Même si j'ai toujours pas mes notes du S2. Mais bon, ça, c'est un détail. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Enfin, presque bien. Quand je vois que je fais des vidéos sur la vie étudiante, des appartements crous, là, ça clique, hein, là, ça fait des vues. Mais quand c'est autre chose, il n'y a plus personne. Pourquoi ma dernière vidéo, elle a pas marché, les gars? Faut suivre. En plus, c'est trop bien. En plus, c'est des vidéos un peu culturelles, comme vous m'avez demandé. C'est des recommandations niveau musique, trucs à regarder. Allez voir la dernière vidéo, les gars. Et allez voir toute la série, dès vous devez savoir ça. Surtout qu'en plus, j'avais fait un sondage, j'avais fait un post. Et la plupart des gens disaient que si je faisais autre chose que des vidéos concernant la fac, la vie étudiante, vous allez regarder. Bah, les gars, faut montrer que vous êtes là. Faut montrer que vous êtes là. Bref, on est parti pour une vidéo étudiante parce que j'avais envie de vous apporter un petit truc, une petite solution. Comme vous avez vu sur le titre, comment bien s'intégrer à la fac partie 2. Parce que oui, dans la dernière vidéo, j'avais donné mes conseils et le dernier conseil, c'était de mettre en commentaire dans quelle filière vous êtes, dans quelle fac vous allez être et tout. Sauf que c'est rapidement devenu le bazar total. Et puis en plus, sur recommandation des gens et puis même j'y ai réfléchi, on m'a dit de faire un Discord. Donc j'ai fait un Discord. Dans un premier temps, bah, c'est pour moi pouvoir mieux parler avec vous, pouvoir discuter avec vous, mettre en place des choses plus facilement que juste en postant des commentaires. Et puis aussi pour vous de vous faire des potes de promo pour la rentrée, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est une bonne chose. Bah, pour ceux qui suivent un peu les posts que je mets sur YouTube, les gens savent déjà, c'est le Club Connexion. Ah, je l'ai appelé comme ça, ça donne un petit côté private. Hein. Alors que c'est ouvert à tous, hein, vraiment. Mais du coup, ouais, le Club Connexion avec le Sion I2N pour... Hop, pensez au I2N de Brian, évidemment, on se place partout. Ça va devenir une petite marque, le I2N, hein. On le sait. Mais du coup, voilà, moi, je vous invite dans le Club Connexion que j'ai créé sur le Discord. Moi, je pense qu'il faudrait que je vous fasse un petit tour du propriétaire. On est parti. Ok, alors, on est bon. On est sur le Discord. Normalement, j'ai bien screen. Enfin, je suis bien en train d'enregistrer mon écran, donc on va pouvoir faire le tour tous ensemble en live. Donc normalement, quand vous arrivez, bah justement, voilà, le Club Connexion, on clique sur le règlement. Bienvenue sur le serveur Brian. Donc voilà, donc il y a un premier message de présentation qui vous stipule les règles. Et voilà, comme vous voyez, le message, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Marcus, c'est un des admins de ce serveur. Du coup, il y en a deux. Du coup, il y en a deux, comme vous pouvez le voir, c'est Marcus et Trental. Merci à eux parce qu'ils ont totalement construit le serveur Discord et ils vont m'aider à bien gérer le Discord quand il y aura plus de monde. Parce que je vous attends. Donc voilà, il y a le règlement, je vous laisserai y aller, on va pas le lire parce que c'est une perte de temps quoi. On va passer aux choses les plus intéressantes. Donc normalement, quand vous arrivez sur le serveur, vous arrivez sur l'onglet, sur le channel role. Donc voilà, comme il y a écrit, bienvenue au Club Connexion par Brian. D'ailleurs, j'ai même pas mis le I2N sur le connexion. Aïe, 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 coup dur pour Brian. Bref, en gros, là, il y aura écrit « Configure ton Discord » parce qu'en gros, voilà, quand vous arrivez sur Discord, vous avez un rôle à choisir. Donc, qui va de Bac plus 1 à Bac plus 5. Donc, voilà, selon votre niveau, vous choisissez. Et ensuite, votre filière. Donc là, vous avez vu, il y a les premières filières. C'est les filières qui ont été demandées, tout simplement, qui n'a pas votre filière. Vous allez dans l'onglet « Suggestions » et vous le demandez. Vous voyez, par exemple, il y a un membre qui a demandé « Faudrait rajouter la LEA ». Donc, Marcus l'a vu, l'a rajouté. Et voilà, maintenant, il y a le channel LEA. Donc, voilà, les rôles, ça vous permettra tout simplement d'accéder au bon channel qui vous correspond, tout simplement. Ensuite, on a le channel YouTube. Donc, en gros, ça, c'est stylé. Vraiment, j'adore mes admins parce qu'ils ont configuré un truc trop stylé. C'est-à-dire que dès que je vais sortir une vidéo, ça va envoyer une notif sur ce channel et ça va la balancer. C'est trop bien parce que du coup, vous serez prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo si vous êtes sur le serveur. Ensuite, j'aime bien aussi envoyer, comme vous l'avez vu, de temps en temps, j'enverrai des vidéos de ma chaîne que je trouve sous-cotées et que du coup, j'aurais envie de vous présenter parce que mine de rien, ça fait pas si longtemps que les abonnés commencent à monter sur la chaîne. Et du coup, ben voilà, je pense que je vous enverrai des vidéos de temps en temps que je vous recommande de voir. Tout simplement. Ensuite, il y a les idées de vidéos. Donc là, c'est justement c'est le channel pour que vous m'envoyez des idées de vidéos. Genre, si vous voulez voir une vidéo sur un certain thème, vous l'envoyez ici et voilà, hop. Moi, j'en prends note, c'est ici et puis voilà, je le fais quand je peux, quand j'ai acheté de contenu, etc. Du coup, le channel annonce, c'est tout simplement moi qui aurais envie de vous partager des choses à vous demander. Je le ferai là-dessus si j'estime que ça mérite pas un post ou même que j'ai envie de vous demander quelque chose à vous exclusivement parce que vous faites partie du Discord, tout simplement. Pour un peu
d'exclus, hein, voilà. Ensuite, on passe à une partie que j'aime beaucoup et que je pense pourrait devenir très cool si ça se développe. Donc, le Chanel Bon Plan, par exemple. Le Chanel Bon Plan, moi j'ai commencé, moi j'ai mis, on est là aussi pour partager entre nous des choses bonnes à savoir. Donc, faites croquer tout le monde, voilà. Si vous avez un bon plan, un truc que vous avez envie de partager, hop, vous l'envoyez sur le Chanel. Et puis voilà, les gens sauront. Ça, c'est le Chanel pour les petits nouveaux sur Paris qui ont envie de rencontrer du monde, de rencontrer des potes. Hop, vous mettez dessus. Ouais, je suis sur Paris depuis nanana. Où je vais à Paris? Où je vais arriver à Paris dans 2 semaines nanana? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient me faire visiter nanana? Je sais pas. Ça s'appelle pas le club connexion pour rien. Il faut qu'on fasse des connexions entre nous, entre vous. Et ben voilà quoi, que ça devienne convivial. Ensuite, le Chanel création. Ça, c'est une suggestion d'un des admins. Et j'ai trouvé ça très bon comme idée. Donc, comme vous le voyez, il y a des petits graphistes qui sont passés par là et qui ont envoyé leurs petites créations et tout. Et en vrai, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Pas seulement des graphistes, hein, d'ailleurs, si vous avez autre chose comme art à proposer, de la musique, des choses, envoyez-le là-dessus. Puis ça peut même créer des connexions entre créateurs. Et ça, c'est trop bien. Ensuite, ça, c'est l'onglet mème. On va pas vous faire un dessin. Je pense que à terme, quand il y aura du monde, on pourra bien rire là-dessus. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai espoir en ce Chanel. Et puis sinon, tout le reste, c'est les filières qu'on a ajoutées, et les filières qui étaient le plus représentées dans les commentaires. Et donc voilà. Donc si vous arrivez, ceux qui sont dans ces filières, il y a déjà le petit Chanel préparé pour vous. Vous avez juste à venir, parler entre vous là-dessus. Moi, je veux voir tous les Chanel actifs tout le temps, quoi. Moi, c'est le but. En dessous, vous avez vu, projet vidéo. Oui, parce que je prépare des choses avec les gens qui sont sur le Discord, quoi, voilà. Et si vous voulez participer aux autres vidéos participatives, donc que je fais avec vous, n'hésitez pas à entrer dans ce channel. On pourrait faire des merveilles. Bref, voilà, en tout cas, moi, j'ai fait ce channel pour vous et pour moi, parce que je pense que s'il y a beaucoup de gens et qu'il y a de plus en plus d'interactions entre les gens, on pourra faire une confrontation de plein d'idées, de plein de choses. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Faut que tout le monde vienne sur ce Discord, quoi. J'ai espoir en ce Discord, il y a déjà quelques personnes, mais je l'avais pas annoncé en vidéo. Donc, voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas à y aller, à m'envoyer un message. Je pense que quand la vidéo sera sortie, je traînerai un peu dans les parages sur le Discord pour discuter avec vous. Et puis même, moi, je passe dessus tous les jours, hein, donc il n'y a pas de souci. En espérant que le Discord vous serve. Merci d'avoir regardé et puis rendez-vous sur le Discord. À plus tard. Salut.